You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 19e épisode déjà de notre incroyable aventure sur Prey. Et oui, j'ai peut-être fait une bêtise en effet avec Walter Dahl. Peut-être ai-je fait une bêtise avec du recul. Peut-être n'aurais-je pas dû le tuer. Mais m'a-t-il laissé le choix? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? Je pense que oui. Donc dans tous les cas, j'en ai rien à péter. Sachant qu'en plus j'ai tué malheureusement, sans faire exprès, hein, des innocents en faisant des bêtises. Alors lui, j'allais pas l'épargner parce que lui méritait. D'ailleurs, je vais directement porter son cadavre. Et je sais pas, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut pas faire grand chose avec lui, on va pas se mentir. Donc on va le laisser là. Mais en tout cas, voili voilou. On a récupéré d'ailleurs, alors on l'aura pas dans l'inventaire, mais on avait récupéré sur lui une carte d'accès pour sa soute. Donc ce que je vous propose, j'allais dire qu'on allait y retourner. Parce que là du coup l'objectif c'est quoi? L'homme en noir, désactiver le technicien de Dahl dans le laboratoire technique. Mais en même temps, maintenant on a accès à sa soute. C'était où? C'était dans... C'est quoi sa zone de fret? Ça se verrouillait. Ah, on peut pas y aller. On peut pas aller dans la zone de fret. Oui. Attendez, parce que il y a un truc qui m'échappe là. C'est accès aux navettes. Voilà, c'était là qu'on était à la base. Oui, donc à chaque fois, ouais, faut que je ressorte, c'est terrible. J'ai envie d'aller voir dans sa soute en vrai, avant de continuer réellement l'aventure. Donc ce qu'on va faire les amis, déjà on va s'installer confortablement, hein, on va prendre à boire et à manger. On va mettre un petit like sur cet épisode, d'accord? Et puis voilà, j'espère que vous allez tout simplement kiffer cet épisode. Mais du coup, ce qu'on va faire, hop, voilà. On se barre. On va retourner à l'extérieur de la station. Et on va réaccéder à la navette. Puisque maintenant on a sa carte d'accès. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il y a dans sa soute. Mais donc voilà, avec un petit peu de recul, hein, j'ai fait une petite pause. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu l'assommer comme je l'ai fait pour les autres humains. Hein, qui étaient contaminés en tout cas. Voilà, j'aimais bien les assommer. Plutôt que les tuer. Mais lui ne méritait pas non plus de rester en vie. Support de vie. Non mais à chaque fois j'oublie où c'est que je dois aller, ça m'énerve. Support de vie, mais non, c'est là où je suis. Là il faut que j'aille. Grand hall. Il faut que j'aille à l'arboretum pour pouvoir sortir à l'extérieur de Talos One. On est d'accord. Allez. Donc, direction l'arboretum. Technicien. D'accord. Clé d'autodestruction. Ah, il y a ça aussi là. La clé d'autodestruction. Mais attendez, c'est complètement dingue. La clé d'autodestruction. C'est secondaire ou c'est principal? Est-ce que la clé d'autodestruction, c'est la même chose que la clé d'armement? Ah oui, c'est ça, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait la quête principale ou on va d'abord... Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, dans tous les cas... Ça fait peur, hein. La musique, j'avais oublié. Dans tous les cas, on va à l'arboretum. Donc on va voir ce qui va s'y passer. Dans tous les cas. D'accord. Mais je pense qu'un petit aller-retour à la navette de la soute, ça peut être pas mal quand même, pour voir. Ça peut être pas mal. On va être très déçus, à mon avis. Oh là là, vous avez vu? Non, mais ça respawn à l'infini, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Comment voulez-vous? Mais regardez, ça respawn à l'infini. Bon, de toute façon, on va rush. 3, 2, 1, go. Allez, rien à péter de vos conneries là. De toute façon, ils sont occupés là, ça va. C'est vrai qu'ils ont l'air occupés. Aïe. Ils ont l'air vachement occupés. Allez. Puff, puff, puff. On passe par ici. Eh, pourquoi ça a l'air plus zen? En vrai, je me suis même pas fait attaquer. Oh, mais attendez, me dites pas que c'est parce que j'ai tué... Non, on va pas se faire de faux espoirs.
Mais c'est bizarrement les cibles militaires là, enfin les militaires, oui voilà, ne m'ont pas attaqué là, hein, une seule fois. Hein. Très bizarre. Est-ce que c'est parce que j'ai tué Dal, leur commandant entre guillemets? Ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, c'est très stylé. Mais bon, à mon avis, on va vite être déçu. Microgravité détectée. Voilà, regardez, il y a déjà quelqu'un qui m'attend. Il y a déjà quelqu'un qui m'attend. Et c'est bel et bien une cible militaire. Ouais, voilà. Ouais, donc il veut bien ma mort. Oui, non, là je vois pas. Il faut que j'aille où là? Zone d'accès aux navettes. Voilà, vous l'avez vu. C'est parti, on y va. Adieu. Ouais, ouais, il me tire bien dessus. Wesh. Mais attends, mais il fait trop mal. Mais attends, mais il fait trop mal. Allez, on mange tout ce qu'on a. C'est bon ça. Très très bon du champagne. Allez, faisons-nous plaisir. Une pomme. Des grenades. Des cookies. Oui, c'est bon tout ça. Allez. Et là, j'ai la tête qui tourne. C'est tout à fait normal, messieurs, dames. Zone d'accès aux navettes. C'est par ici. Allez, on regarde pas derrière nous. On ne regarde pas le danger. Ça fait suffisamment peur, évidemment. Allez. Nous y allons. Au moins, c'est rapide. C'est un petit aller-retour. Oh, il y a un cadavre ici. Je l'ai... Attendez. Ah non, j'ai déjà vu celui-là, d'accord. Par contre, cette caisse... Eh... Ça régale? T'es sûr que j'ai déjà vu lui? Ah ouais. Aïe! Non mais c'est une vanne. Zone d'accès aux navettes, donc c'est bien là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a attaqué, je veux pas savoir. Allez. Un petit effort encore. Allez. On y va, on y va. Ah, la clé d'autodestruction. Bah dans tous les cas, on pouvait passer par là, donc... ah bah oui, mais de toute façon on le sait, mais parce qu'il y a la zone compliquée là que j'ai voulu éviter dans le dernier épisode. Et d'ailleurs on va voir, on avisera. Vous savez, c'est la zone où on a sauvé justement la madame là, que je sais même plus comment qu'elle s'appelle. Bref. Pourquoi il fait nuit d'un coup là? Il a toujours fait nuit? Il a toujours fait nuit? Il a toujours fait nuit? Il faisait pas nuit ici? Wesh. Ah c'est les tourelles. Ouah, mais attends, mais je suis parano et j'ai peur de tout maintenant. J'ai peur de tout. Incroyable. Allez, on va du coup aller à la navette de Dal. Voilà, on va peut-être quand même découvrir des trucs de ouf. Je l'espère, hein. J'espère que ce qu'on fait ne sert pas à rien. Mais il fait nuit là. Il faisait jour avant, non? Je sais plus. Voilà, donc ce serait ici, hein. Parfait. Oh là, je sens que je vais être très déçu. Je sens que je vais être très déçu. Mais non. Non, non, j'y... Non, non. Vraiment là? C'est un jeu à la... C'est un jeu à con là? C'est-à-dire que vraiment, on m'a incité à revenir ici pour ça? Non, non. Je refuse. Je refuse d'y croire. Il y a un truc que j'ai pas vu là, c'est pas possible. Non. C'est ça, ça soute. Bon, au moins j'aurais eu deux neuromodes, hein, superbe. Ah, c'est vraiment génial. Bon, écoutez, au moins on est en zone safe. On a pu tout explorer. Et on va pouvoir se permettre. On va pouvoir se permettre également de trier nos déchets. Très important, je le rappelle. Pour les JO, évidemment, on trie nos déchets, on fait attention. Voilà, hein. Paris, il faut que ce soit beau quand même, hein. Batterie de disjoncteur. Bah oui, ça il faut que je garde évidemment. Voilà. Hop, on recycle. J'ai des armes en doublon me semble-t-il. Donc là le pistolet, tac, je désassemble. Et c'est tout ce que j'ai. Ah si, j'ai ça en doublon également. Canon glu, je désassemble. Oh bah là ça fait de la place de zinzin. Et on est même très très bien. Hop. Et puis attendez, parce qu'en fait de compte, il me semble que là, absolument, nous avons... Voilà, ça c'est parfait ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau là? Parce qu'en vrai, en tirade, j'en ai plus que un. Quelque chose me dit que, vous avez vu, c'est quand même vachement utile, si je puis dire. Donc, on va quand même s'en faire. Et puis en plus, ça demande... des trucs verts que j'ai à foison, donc ça c'est vraiment pas mal.
Voilà, ce sera déjà pas mal. Et puis écoutez, balle de 9 mm, on va pas changer des bonnes habitudes. Mais c'est vrai que ça demande énormément de... et ouais. Bah écoutez, balle de fusil à pompe, c'est où le fusil à pompe? Pourquoi j'ai plus les balles de fusil à pompe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah si, cartouche de pompe, pardon, j'avais pas vu. Voilà, comme ça on est également tranquille. Kit de secours, hop. Comme ça, ça aussi ça régale. Anti-rad, je peux encore en faire. Et ce sera déjà pas mal. Kit de réparation de combinaison. En vrai, j'en ai encore 6. Donc ça, c'est bon. Allez, les amis, on va pouvoir continuer l'aventure. Réellement. Objectif multiple. Eh, hey, vous avez vu, un bug. What? Ah, c'est un bug, ça. Oula. On va faire attention, quand même. Bah, du coup, direction l'arboretum, réellement. Mais non, attendez, mais non. Mais non, mais attendez, je dis l'arboretum, mais non, mais attendez, oh là là. Alex va rester caché jusqu'à ce que Dal et son technicien soient neutralisés, donc. Faut d'abord neutraliser le technicien qui se cache dans les laboratoires techniques. Ah ben, parfait. Donc, dans tous les cas, il faut que je ressorte, donc ça tombe bien. Donc j'ai bien fait finalement de faire cet aller-retour, c'était pas débile en vrai. C'était pas débile. Accès aux navettes. Je peux passer par le grand hall de Talos One, mais j'ai pas envie. Là, je sors direct et je vais au laboratoire technique. Impeccable. Voilà. Allez. Ça régale. Comment je remonte? Par ici. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Allons-y gaiement. Paf. C'est par ici, bien sûr. Ah là 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 là. On va essayer de localiser avant de sortir bah, notre endroit, parce que là, sinon, on va se faire foudroyer encore par les vilains. Les vilains gardes qui continuent de nous pourchasser là, les militaires, c'est absolument terrible. Hein, c'est... Avant on avait peur des fantômes, mais là maintenant. Oh, il y a un cadavre juste là. Alors, zone de fret. Ah, j'arrive pas à voir là-bas. Cadavre humain, ouais, c'est superbe. Département psychotronique. Mais non, mais je m'en fous moi. Bon, attendez, on va déjà sortir. Ça a l'air safe. MDR. Mais arrête là, putain. Casse pas la tête. Allez, on va aller voir ici. On va faire des 3-6. Parce que c'est stylé. On a deux cadavres humains ici. Oh non, me dis pas que c'est ceux que j'ai éjectés. Ah si, c'est ceux que j'ai tués. Emmanuel, pardon. Désolé, pupus. Frank Jones. Désolé. Ah ouais, c'est ceux que j'ai éjecté C'est ce que... Putain, c'est ceux que j'ai éjecté dans l'avant-dernier épisode, je crois. Désolé, je trouve ça trop stylé. C'est pas cool, mais je trouve ça trop stylé. Alors, attendez, parce que je suis vraiment perdu. Laboratoire technique. Mais c'est pas possible. Laboratoire technique. Là où c'est l'arboretum. Laboratoire technique. Bon, c'est automatiquement par là, de toute façon. Technicien, à mon avis, c'est là-bas. Ah oui, mais c'est le technicien, bah oui. C'est notre objectif. Allez. Station de recherche d'oxygène. On a encore un cadavre humain à découvrir ici. Attends. Ça, je prends. Merci, madame. Au revoir, madame. Allez, c'est par ici. Technicien. J'espère juste que c'est bien ouvert. Normalement, oui. Objectif multiple. Ouais, c'est bien là. C'est bien là. J'ai l'impression que je suis jamais passé par là. Mais si c'est ouvert, on est déjà passé par là. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, il a l'air bien occupé, lui. Allez, salut. Ah, il est plus occupé. Ah. Aïe. Arrête. Arrête. Hop là, t'as rien vu venir. Et heureusement en vrai qu'il y a les chargements finalement. Parce que là dans la vraie vie normalement tu te fais allumer hein, le temps d'ouvrir la porte. Incroyable. Allez, laboratoire technique, on est parti. Dans le pur, dans le dur. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr.
Ok, technicien, il a 60 mètres. Waouh. Alors, ne refais plus jamais ça par contre, hein. Ne refais plus jamais ça, hein. Pour le coup. Bon, on va les laisser se battre. Hein, il y en a bien un des deux qui va mourir entre les fantômes et les opérateurs militaires. Et au pire, ça crée une diversion, c'est pas mal. Ah oui, on est là. J'avais pas reconnu. Ah, ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Hein. Mais ça a respawn, c'est chiant. Oh, attends. Je répare. Et voilà. Bah, déploie-toi, non? Voilà, allez, travail. Ok. Ok. Ah, ils sont occupés, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal, ils sont bien occupés, là. Par contre, il me semble que là, c'est dangereux de passer par là. Non, c'est bon. Ah, parce qu'il y avait d'électricité ici, à l'époque. Oh là. Hop là. Tu n'as rien vu. Et en vrai, si je coupais l'électricité. Ah Personne s'y attendait, hein, à ce que je coupe le. À ce que je coupe, hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. En vrai. On va peut-être remettre. On va peut-être remettre la lumière. Ouais, mais là, ils sont des mignons, là. Scanne-le là, que je le voie quand même. Voilà. Il y a encore des fantômes en plus qui se baladent. Hein. Oh là là. Eh, les fantômes sont mes amis maintenant. Hein. Allez. On s'engage. Petite sauvegarde rapide. Attends, parce que là il y a du feu là quand même. Merde. Hop, je pirate. C'est important de pirater. Ça évitera qu'ils respawnent. Vous l'aurez compris. Et surtout ils seront de mon côté. Donc c'est pas mal. Par contre c'est bruyant, hein. Je suis désolé pour vos oreilles. Voilà, on va faire au plus vite. Hop. Ok. Commandant Dahl, ici Kaspar. Rapport de la situation. Il est là. Tous les serveurs et terminaux principaux sont verrouillés. Les protocoles de franchissement et d'interception sont en cours. Recherche des schémas d'accès au cours des trois dernières heures. Estimation de la progression, 63%. Bien reçu. Je reprends. Voilà. Lui, il est neutralisé. Commandant Dahl, ici Kaspar. Morganio en vue. Hop là, j'ai pas le temps pour tes conneries, je te pirate aussi. Bon, je voulais. Vous avez vu, je voulais neutraliser le truc là. Et je voulais pas le tuer comme je l'ai fait pour Dahl. Le commandant Dahl qui ne lui répond pas puisqu'il est mort d'ailleurs. Mais manifestement, il s'est réveillé. Donc le neutraliser, on va oublier, on va le fumer, tant pis. Commandant Dahl, arrête! Est-ce que vous me recevez? Non, il est mort, commandant Dahl. Bouge pas, mon copain. Tu vas être très mal. Tu vas être très très mal, mon copain. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bien, mon copain. Merde. Les portes fonctionnent à nouveau, Morgane. Beau travail. J'emmène ce qui reste de mon équipe à la salle de contrôle de l'atmosphère, dans le système de support de vie. Nous allons défoncer toutes les saloperies d'opérateurs de Dahl et nous assurer qu'aucune nouvelle défaillance ne vienne perturber le circuit d'air de la station. Merci, merci, impeccable. C'est plutôt bon tout ça. L'équipage de Dahl est entièrement constitué d'opérateurs customisés. Il a fait l'erreur de placer ses espoirs dans une machine. Les êtres de chair et de sang sont chaotiques, Morgane. Mais c'est tout ce qui compte au final. Beau travail. Le transfert a repris. Retrouve-moi à l'arboretum. Une tâche importante nous attend. Oh là, regardez les deux opérateurs qui se battent. Ça y est, il est HS.
Attendez, je vais le terminer quand même pour le plaisir. Voilà. Ça fait toujours plaisir, messieurs, dames. Ok, là on avance, les amis. Là, ça fait plaisir. Donc maintenant, Alex est à présent prêt. Voilà. Donc je vais pouvoir le retrouver dans l'arboretum. Toi-même, tu sais. Donc c'est parti. Alors, on est où là? On est là. Est-ce qu'il y a moyen? Ouais, si je passe par le grand hall de Talos. Ouais, on va pas ressortir, ça me saoule. Oh, bah mon pote, tu sors d'où toi? Allez, on va repasser par ici, ouais, pour aller à l'arboretum, c'est une bonne idée. On fait plus jamais ça. Petite sauvegarde rapide. Et on est parti. Alors, me semble-t-il que c'était un peu la galère là où je vais m'aventurer en passant par là. Bah oui, c'est le grand hall de Talos, évidemment que c'est la galère. Il est mignon. Il est mignon et naïf. Évidemment que c'est la galère, le grand hall de Talos. C'est le pire endroit qui puisse exister. C'est là, évidemment, qu'on accède à toutes les zones. En dehors de bah, l'extérieur de Talos One, bien sûr. Eh oui. Alors, attendez. Hop là, boum boum. Je suis désolé, hein, je fais ça beaucoup de fois. Là, il faut qu'on aille à l'arboretum. Boum boum, l'arboretum. On est là, l'arboretum. Mon bureau. Ah, je suis à l'étage du bureau. Donc, l'arboretum, c'est en haut. Hein. Faut que je prenne l'ascenseur, hein, tout simplement. Bah, que je prenne l'ascenseur ou que. Non, il n'y a même pas d'escalier, j'ai pas le choix de prendre l'ascenseur. Ok. Ah, ouais, on est là. Ah, ça rappelle les souvenirs. Il vient me chercher, lui. Hein. Je reconnais ça. Hein. Lui, il monte les escaliers là. Ah, il vient me chercher là. Allez, salut, je prends l'ascenseur. Allez! Oh non. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Allez, salut! Ah! Voilà. Oh, c'est horrible. Oh, je me suis chié dessus. Oh, c'est terrible. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ah là là. Et puis il y a ma combinaison d'ailleurs qui est cassée. J'avais même pas fait attention à ça. Alors ça tombe bien parce que là on va voir les opérateurs. On va avoir les opérateurs ici. Donc ça c'est pas mal. Attends, on est passé par là 20 fois. 20 fois en 3 épisodes quoi. C'est légendaire quoi. Mais bon, allez. L'arboretum. Beaucoup de chargement. J'en suis navré. Mais en même temps, des fois, c'est quand même ce qui nous permet de nous sauver. Globalement, donc on va pas se mentir, ça fait plaisir. Est-ce qu'on approche de la fin du jeu? C'est une bonne question, je ne sais pas. Pas forcément. Mais on dirait un peu quand même. Alors, là c'est quoi? C'est opérateur médical? Je sais déjà plus. Demande de nouvel opérateur. Wesh. Eh, y a des pièges partout. Opérateur médical, inscrit en terminé 490. Y'a des pièges partout. On dirait que vous avez eu une rude journée. Oh, j'ai eu si peur. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Merci mon frérot. Donc là on a tout vu, y'a pas de problème. Waouh, il m'a fait tellement peur. Oh non. Un tisseur. Oh non, l'opérateur il est mort. À cause de toi. Je vais réparer ma combinaison. Bam, bam, bam. Voilà. Ça c'est fait. Le tisseur. Il a peur de quoi de nouveau là? Faiblesse, onde 0 et psychique. Pas de problème. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je lui ai mis de l'onde zéro dans la face, hein. Je comprends pas. Soir, Talos. N'oubliez pas, l'ensemble du personnel doit se soumettre à des examens physiques mensuels pendant son séjour à bord de Talos One. Bon. Le docteur Devries promet de les faire. Aussi rapide et bien de l'or que possible. Ah, ça marche vraiment bien. C'est top ça, hein. C'est top. Ah ouais, d'accord. Oh là là, mais quel enfer.
Allez, je viens de la réparer, elle est HS instantanément, c'est incroyable. À cause de ça, mais on va jamais s'en sortir. C'est ça que j'aurais dû réparer en réalité. Voilà. Bon, on va aller rejoindre Alex dans son bureau, les amis. On va pas perdre plus de temps. Y'a plus d'opérateur militaire? What? Y'a plus d'opérateur militaire? Ça m'étonnerait, vous inquiétez pas que. À mon avis. Alors, on va éviter de se refaire couillonner là, voilà. Ah si, y'en a là. Ah non, il est gentil. Attends, y'a plus de méchants là? Genre, y'a plus de méchants. MDR. Bon, et eh ben c'est plutôt bon signe. Bon, Alex, me la fais pas à l'envers. Hein. En vrai, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, je voulais te prendre par derrière. Allez, Alex, régale-moi. J'ai très peur de ce que tu vas m'offrir. Trop loin, trop vite. Alex, ah, il est caché derrière. Ah, le bâtard, il s'est caché ici, quoi. Ça sent le piège quand même. Hein. What? Pardon? Ah, attendez, il y a un truc qui m'échappe là. Est-ce que je suis débile? Alex? Alex? Ah, en fait, c'est bien là qu'il fallait que j'aille. Je suis con. Oh, ouais! Oh, c'est... Non, c'est incroyable. Il y a des passages secrets et tout. Morgan, nous sommes dans le système de support de vie en ce moment. La voie est libre. L'air est normal. Je t'ai promis ma clé d'armement. J'ai perdu des gens bien en affrontant tout les Black Box. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Et Dal n'était pas là. Oh là là, le bug. Si vous le voyez avant moi, si tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Et Lazare, terminé. Je le sais. Je le sais parce que je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu. Tu m'as montré que tout était possible, même si le prix à payer était lourd. Cette partie de toi est encore là. Nous pouvons entrer dans l'histoire. Pas ces sangsues du conseil d'administration de Transtar, pas nos parents. Toi et moi. Exactement comme prévu. Nous avons les données qui confirment ce que tu soupçonnais. Le corail est en train de diffuser un signal neural. Un message secret envoyé vers les étoiles. Ce que je veux savoir, c'est quel est ce message? Et qui peut bien l'écouter? Je crois que tu le sais. Tu le sais depuis les tests sur les neuromodes de Typhoon. Tu le savais. Tu vois, ce plan de fabrication est celui du prototype d'émetteur d'onde zéro. Il piratera le signal du corail et enverra un puissant choc à tous les organismes Typhoon d'un coup. Prends-le. Oh! Bon, l'émetteur onde zéro, on connaît, hein. En réalité. Et la clé d'armement. Comme je... Quoi? Morgane! Oh my god! Oh la vache à la gigine! Oh bah là c'est la fin là! Clé d'autodestruction! Attends, donne-la moi! Oh non, t'es inconscient, Alex! Viens là, mon frère! Oh non. Adieu. Vite, je sais pas où je vais. Je sais pas si c'est une bonne idée là où je suis. Mettez Alex dans son bunker. Eh, mais c'est ce que je voulais faire en plus. C'est ça son bunker? Je suis pas sûr. Alex, t'es où? Alex? Ah, t'es là? T'es con ou quoi? Viens là mon gars. C'est... Le pire c'est que je voulais faire ça sans que l'objectif me le demande. Donc ça c'est quand même bien fait. Allez viens là. Utilisez les commandes vocales pour verrouiller. Dis Siri. Comment on fait? Commande vocale. Ok Google. Attends. Déjà on verrouille. Bon, par où commencer? J'espère que tu n'auras pas à écouter cet enregistrement, mais si c'est le cas, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose.
J'imagine que tu en as assez vu à présent pour abandonner l'idée de détruire Talos One. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu qu'on pouvait absolument tout faire, même le plus improbable. J'espère que tu y crois encore. Sinon, je suis bien content d'être mort, avant d'avoir vu mon frère sombrer dans le pessimisme. Nous avons les données... Oh là. Cette créature essaye toujours d'absorber la station. J'ai repéré plusieurs brèches dans la coque. Morgan, je crois en toi. Fais ce qu'il faut. Mais attendez là, j'ai écouté le transcrible là. Bon, par où commencer? Non. J'espère que tu n'auras pas à écouter cet enregistrement. On va pas tout recommencer quand même. Si c'est le cas, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Oui. J'imagine que tu en as assez vu à présent pour abandonner l'idée de détruire. Oh la vache. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu qu'on pouvait absolument tout faire, même le plus improbable. J'espère que tu y crois encore. Sinon, je suis bien content d'être mort avant... Mais non, c'est pas vrai. Ah. Merci pour ce que tu as fait. Tu aurais pu me laisser mourir. Mais non, mon frère. Il est plus important que jamais qu'on termine tout ça comme il se doit. Occupe-toi de l'émetteur d'onde zéro. J'irai sur la passerelle dès que j'aurai repris mes esprits. Ok, mon frère. Je ne vais pas écouter ton transcript, ça m'a saoulé. C'est excellent. Bon, je lui fais confiance maintenant. Fabriquer le prototype d'appareil à onde zéro. Perdition, accéder aux commandes d'autodestruction. Ah! On a le choix, en fait. Bon, alors, vous l'avez compris, hein. Il y a différents scénarios dans tous les cas, hein. Dans le cas où j'aurais pas tué certaines personnes, etc. Et donc, je pense, dans tous les cas, qu'il y a, je ne sais pas combien de fins alternatives, mais c'est sûr qu'il y en a plus que deux. C'est obligatoire. Et rien que là... Rien que là, on a le choix, en fait. Regardez, on a le choix entre ce que Alex nous dit de faire. Et on peut sauver la station, soi-disant, mais on va juste buter tous les Typhons. Ou alors, au plus simple, on fait tout péter. Et je ne sais pas quoi choisir. Alex m'a donné les plans d'un prototype, mais il m'a aussi donné la clé d'armement, quoi. Et c'est vraiment le truc qu'on nous a dit. Enfin, c'est January qui nous a dit de le faire, mais January, on sait même pas c'est qui. Regardez, il me reste plus que 3 objectifs facultatifs. Je peux même plus faire les autres. Oh non, on est sur la fin là. J'ai même pas encore tué le faux cuistot. J'espère vraiment que je pourrais la tuer. Alors, fabriquer le prototype d'appareil à zéro. Ouais, mais je fabrique ça où, gros? Bon, on va se rendre vers la centrale électrique dans tous les cas, évidemment. C'est tout en bas. Je suis tout en haut, faut que j'aille tout en bas. Hein. Ah, c'est le but du jeu. Hein. Ah, c'était sûr. Hein. Ça, c'était sûr que ça allait pas être évident. Hein. Niveau 2, faut que j'aille au niveau 2. Pourquoi faut que j'aille au niveau 2? Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, zone de frais. Non, ouais, il faut que j'aille quand même dans tous les cas en bas. Oh la vache. Bon bah, on va se balader, messieurs dames. On va se balader dans cet apocalypse littéral. On a sauvé Alex, je suis très content. Parce que peut-être qu'au fond, il le mérite quand même bien. Même si à mon avis, c'est un peu un Elon Musk taré. Donc Elon Musk quoi. Oh, regardez. Ah non, c'est les lumières là-haut. Il y a tout qui vole, c'est superbe. Oh, genre on peut pas sortir. Superbe. Mimique supérieure. Oh waouh. Oh waouh. Non, fous-moi la paix. Bon, on va essayer de sortir. On va prendre l'ascenseur. Aïe. On va essayer de passer par là. Aïe. Ça passe. Console du réacteur, c'est par ici. C'est par ici. Du coup, bah pas le choix. On repasse par là pour la 50e fois, évidemment. Mais du coup, tout est en microgravité, c'est ça? À mon avis, tout est cassé, non? Je sais pas. Peut-être pas forcément. Ça va être vite vu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Morgan, vous avez anticipé la corde sensible sur laquelle jouerait Alex. Les liens du sang. L'histoire commune. Vous m'avez programmé pour le réfuter point par point. Mais nous pouvons passer à l'étape suivante. Un typhoon de la taille d'un gratte-ciel est actuellement en train de dévorer Talos One. Par conséquent, Alex a tort. Détruisez la station. Comme vous l'aviez planifié.
L'explosion emportera le monstre avec elle. January a raison, Morgan. Nous ne pouvons pas laisser ces atrocités atteindre la Terre. Si ne serait-ce que l'un d'entre eux atteignait notre planète, je ferai tout mon possible pour vous aider d'ici. Qui sait, on peut peut-être lui donner du fil à retordre. Alors, autant January, je sais toujours pas c'est qui, et je lui fais de moins en moins confiance. Il veut bizarrement que j'explose la station. Voilà. Autant Maïka, c'est la seule personne en qui j'ai confiance depuis que je l'ai rencontrée. Donc... Après, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, parce que dans tous les cas, c'est la merde. Et à mon avis, je pense que la finalité va être horrible. Et puis, j'ai déjà fait tellement de conneries que personne ne m'en voudra. Donc, on va rester sur notre objectif, les amis. Je choisis actuellement de détruire toute la station. Mais je pense pas que ça va être si facile. Vous inquiétez pas, à mon avis, ça va être terrible. Alors, comment je fais pour y aller? Arboretum, grand hall, support de vie. Ok, faut que j'aille au support de vie et que je descende à la centrale électrique. Pas de problème, c'est parti. Mais à mon avis ça va pas se passer comme prévu dans tous les cas, vous inquiétez pas. Parce que moi je suis bien inquiet. Putain, vous vous souvenez quand il y a un fantôme qui avait apparu dans l'ascenseur, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais ouais, Maïka, franchement je lui fais tellement confiance. On a tué son père malheureusement et tout, donc franchement j'ai à me racheter. Waouh, m'a fait trop peur lui. Et puis ouais, si ça atteint la Terre. Si ça atteint la Terre, on est dans la merde. Et puis on a tellement voulu ces fameuses clés d'armement, on les a enfin. Donc c'est maintenant quoi. C'est le sacrifice ultime à faire quoi, on n'a pas le choix. Personne ne veut faire ce sacrifice, donc il faut bien qu'on le fasse. Parce que c'est pas dit que ça fonctionne non plus en fait l'autre option quoi. C'est pas dit non plus que celle-là fonctionne, mais dans ma logique, c'est ce que je ferais. L'idée finira par vous traverser l'esprit. Ne le faites surtout pas. Je ne peux pas prédire ce qui se passerait si vous scanniez l'apex. Mais tous mes indicateurs signalent de la souffrance. Mais mon gars. Viens là. Oh bâtard, il m'a. Hey, il est trop fort lui. Il est trop chaud, il m'a esquivé de ouf. Ouais, meurs. Meurs. C'est un corrompu lui. Ah ouais. Allez, salut. Reste au sol. Voilà. Ça c'est fait. Console du réacteur. Faut que je descende là? Dire que j'espérais qu'on n'était pas tout seul. Qui c'est qui parle là? Système de support de vie insuffisante. Décontamination atmosphérique recommandée. Oh là là! Oh là là! Oh là là, on veut ma mort hein! Allez! Aïe! Oh le tisseur! Oh aïe! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Les nitistoïdes, hop, je me casse! Et franchement, tu m'enlèves ces temps de chargement, je fais pas plus de 3 épisodes, je pense hein! Je m'en serais jamais sorti sans ces écrans de chargement hein! Bon voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire messieurs dames. J'adore ce qui se passe. Console du réacteur, on y arrive les gars. Alors, on y arrive mais maintenant évidemment. Évidemment, il y a du monde au balcon maintenant. Incroyable. Nouvelle aptitude disponible. Bon. Waouh. Y'a trop de monde là. Salut. L'un après l'autre les gars, l'un après l'autre. En file indienne messieurs. Voilà. A qui le tour? C'est un piège ça. Aïe. Wesh. C'est un ouf lui. C'est des ouf. Wesh. Aïe. Je transpire, ça s'est ouvert ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bon allez, je rush. Allez, salut. Allez, salut. Aïe, 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 aïe. Alerte. Niveau dangereux de gaz. Ah ouais, du coup, on est de retour là, non détecté. Oh, trop relou. Et moi qui voulais pas passer par là. Jusqu'à ce que les réparations allez, aient salut. Été effectuées. Allez, alerte. Salut. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer. Verrouille. Et éviter toute verrouille. Flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Voilà. Diagnostic en cours. Blessure superficielle, rien de trop grave. Oh, j'ai eu un bon réflexe là. Ouais, j'ai un fantôme là-dedans maintenant. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Niveau de gaz explosif détecté. Bloqué. Oh, on peut même plus sortir. Oh wesh. Il est fou lui. Viens là. Voilà, tu vas faire quoi? Alors, bon, on continue ou alerte. On continue pas là? Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je ne sais pas. Perdition, accéder aux commandes d'autodestruction. Mais attendez, j'ai pas validé mon choix encore. J'ai pas validé mon choix. Hein. Utiliser les clés d'armement dans la centrale, mais bien sûr. Oh merde, je pensais qu'on retournerait jamais ici, moi. Oh non, j'ai trop le seum. Ah, mais c'est là. Mais purée, souvenez-vous, les deux clés. On sait très bien où c'est qu'il faut les mettre. C'est incroyable. C'est incroyable. À aucun moment je pensais que... À aucun moment je pensais qu'on allait revenir ici. Tu fais quoi toi? Oh là là. On va essayer d'être le plus discret possible jusqu'à la fin. Parce que clairement... C'est tout en bas hein, de toute façon qu'il faut aller. Je sais qu'il y a un accès. Alors attendez, il y a des sauvegardes rapides. Yes. Allez hop, ça régale. On va faire notre première tentative. Si on le fait en one shot, c'est trop cool. Mais quelque chose me dit que rien va fonctionner comme prévu dans tous les cas. Allez, on y va discret. On se fraye un chemin. Si on peut éviter de les alerter, c'est vraiment bueno. L'entrée est juste ici. L'entrée est toujours ouverte, c'est bon. On va pouvoir s'y engouffrer. Ok. Il y a lui qui peut nous faire chier. Et là on va y aller. C'est le bon timing. C'est bon. Ok. Messieurs, dames, je sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment le trouble. Ça se trouve certains vont dire que c'est la pire fin possible. Et c'est pas dit que c'est la fin non plus. Allez. La clé de Morgane, on l'active. La clé d'Alex, on l'active. Tu l'es. Donnez-lui de l'adrénaline. Ensuite une autre dose de lignée cellulaire de Morgane. Allez-y. C'est plus que suffisant. Je vous retrouve sur la passerelle pour la dernière étape. Dépêchez-vous, Morgan. Il n'y aura plus rien à faire sauter si nous arrivons trop tard. Ne me mets pas la pression de January, il faut que je remonte là. Vraiment haut, il va pas être content, le copain, le frérot. Eveline, les empires, comme des crocs qui s'enfoncent dans la cervelle. Vous les sentez? M.U. les cris se rapprochent plus fort. Je crois que les cris viennent du futur. M.U., plus précisément de la Terre. Les cris d'agonie d'un animal pris dans la gueule d'un prédateur. Alors lui, c'est vraiment le vilain qu'il croit être. Lui, c'est vraiment le vilain qu'il croit être. Salaud, va. Il faut vraiment que je le tue, lui. Je sais pas comment, mais il va exploser avec la station, mais avec un grand plaisir, quoi. Alerte. Ouais, donc j'ai pas le choix de repasser par là. Niveau dangereux de gaz. Alors à ce propos les amis, d'après des sources, la bombe nucléaire c'est la même chose hein. Il faut mettre des clés ici, ensuite tu dois aller à l'autre poser machin, c'est très complexe hein. Allez, il faut que je retourne au niveau 1. Support de vie, et j'imagine que ça se passe passerelle de Talos One.
Aïe, 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 aïe. Donc il faut remonter à l'arboretum. Et là on voit les zones coupées. Il y a plein de zones qui ont été coupées. Bon bref, il faut retourner à l'arboretum. On n'a pas le choix dans tous les cas, c'est excellent. Évacué, alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle. Niveau dangereux de gaz explosif. Allez, on va essayer de monter. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alors comment j'ai fait là? Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Je sais plus comment j'ai fait. Et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Non. Veuillez Comment j'ai fait? Et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Là. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Je suis bloqué et je redescends. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi? Bon. Évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations. Il y a bien un escalier là. Et c'est pas possible. Hein. C'est insupportable par contre cette voix qui répète. Jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Dis-moi qu'on peut monter là, s'il te plaît. Dis-moi qu'on peut monter. Alerte. On peut même pas monter. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Oh la vache. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. On n'a pas le choix de passer par mon chemin en fait. Oh là là là. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Je verrouille. On va se concentrer pour remonter hein. Juste à l'air. Pas qu'un jour je serai heureuse d'entendre niveau dangereux ce bruit. De gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Allez! Mais on va pas rester bloqué ici! Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Ça y est. Oh la vache! Putain, mais, par contre, ça c'est frustrant hein! Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Allez, rouille. Veuillez évacuer et alerte. Hop, niveau voilà. Évidemment, on revient ici. Surveillance. Merde, je suis pas censé aller là, moi. Allez, on s'arrache. Oh là 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 là, mais c'est pas une vie tout ça, c'est pas une vie. Qu'est-ce qui nous arrive enfin? Qu'est-ce qui nous arrive? Allez, direction le support de vie, messieurs, dames. Bombardez-moi cette barre de like, je compte sur vous. Ah, encouragement à fond. Parce que là, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce fort. Ouh, on y arrive. Oh là là, évidemment. Évidemment, on repasse ici. Pire truc qui pouvait m'arriver. Mais en vrai, ça sert à rien de les tuer parce qu'ils respawnent et tout. Alors, de toute façon... Autant rush hein. Oh là là. Aïe. Allez salut. Ne pas regarder derrière soi. Bam bam. Ça régale. Bon, certains diront que c'est dommage. Bah voilà, c'est fameux chargement. En fait l'idée est bien d'aller d'un point A au point Z, puis du point Z au point A, c'est pas ça le souci. Mais c'est vrai que bon voilà, ça casse un peu la dynamique. Moi ça me permet de respirer hein, parce que je vais pas te mentir que là je suis très humide hein. Très 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 humide. Allez arboretum. Attends, confirme moi arboretum. Et ensuite passerelle de Talos. Voilà. Allez go. C'est bizarre que Alex nous ait pas encore appelé, notre frère, pour nous dire bah qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi. Très très étonnant. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Allez. Là ça va être la merde là-haut évidemment. Hop. Oh, je sais pas ce qu'on va retrouver là de l'autre côté de cette porte, mais à mon avis ça va vraiment pas être très jojo. Cela dit, ce qui est très stylé, c'est que comme maintenant il y a de la microgravité, vous allez voir par où on va passer.
C'est très intéressant ce qu'on va faire. Ou pas, hein. Ça dépend où c'est qu'on doit aller, attendez. Parce que je me suis peut-être enflammé. Oh là là, en vrai j'aurais proposé de passer par la gauche là, tu vois, ici là. Pas mal, hein. Terminal d'autodestruction, bah parfait. C'est par là qu'il faut passer en plus. Tu vois, maintenant on peut passer par là, c'est cool, hein. Hop, petite fontaine artificielle. Par ici. Ah ouais, en plus on n'y est jamais allé, on y est allé qu'une seule fois, bah ça tombe bien. Hop là. Et ben voilà. Cet endroit va servir à quelque chose, messieurs, dames. Aïe aïe aïe, la passerelle de Talos One. On y était allé qu'une seule fois, me semble-t-il. Alors je sais plus si on avait safe ou pas. Bon là, dans tous les cas, ce sera pas safe à mon avis. Mais je sais plus ce qu'on y avait fait là. Ah ouais. Ah ouais, je me souviens plus. Ah mais si. Mais non. Mais bien sûr, c'était impressionnant ici. Ah ah ah, bah oui, là c'est des fausses. C'est un faux extérieur, n'oubliez pas que tout n'est qu'illusion ici. Mais ils ont quand même montré que c'est la merde dehors en fait. Oh, c'est impressionnant. Bon bah, on va aller rejoindre là-haut le capitaine. Aïe aïe aïe. À quoi est-ce que je parle? Je m'appelle January 2035. Oh non. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One, oh, mais non. Aucun ne me ressemble. Impossible, tu n'es qu'une machine. Une abomination mécanique, Morgan n'aurait jamais. Tu l'as piégé. Qui t'a programmé? Je représente les désirs de Morgan Yu. En date du 12 janvier 2035. Votre frère m'a créé pour s'assurer le succès de ses objectifs. Et l'échec des vôtres. Les miens? Il n'y a aucune différence entre ce que je veux et ce que Morgan veut. L'autre Morgan. Oh, c'est une blague. Vous pensez que son jugement est altéré? Qu'il a succombé à la dérive psychologique qu'expérimentent tous ceux qui utilisent les neuromodes à outrance. Mais pourquoi croire cela? Il est possible que Morgan soit parvenu aux mêmes conclusions pour des raisons différentes. Pouvez-vous mesurer l'influence qu'a eu la dérive sur son raisonnement? Moi, non. Oh, j'ai bien mesuré une chose. Quelle est-elle? Ton incapacité à différencier un bug d'une fonctionnalité. Attends! Non, non, Alex, Alex, Alex. Alex. Non. Alex. 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 Morgan. Quelle fierté. Tu t'apprêtes à détruire des décennies de progrès scientifique en quelques minutes. Ce n'est pas ce qui va rendre le monde plus sûr. Les typhoons reviendront un jour. Et la prochaine fois, nous serons impuissants. Tout ça à cause de tes choix. Il n'est pas trop tard, tu sais. On peut encore s'en tirer. Tu as déjà changé d'avis? Tu peux recommencer. Je ne t'arrêterai pas si tel est ton choix, je te l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attends, Alex, laisse-moi le temps. Me la fais juste pas à l'envers. Déjà ça, voilà. Peut-être le premier réflexe. Me la fais pas à l'envers. J'analyse juste un truc. C'est que la dernière fois qu'on est venu ici, c'était pas retourné là. Il y avait pas cette puce et il y avait pas de cadavre sous le canapé, me semble-t-il. C'est toi, Alex? Morgan. Cette machine, elle avait ta voix. En voyant la vidéo, j'ai tout de suite su que tu avais fait quelque chose aux opérateurs. Mais ça, il n'est pas trop tard, tu sais. On peut encore s'en tirer. Tu as déjà changé d'avis? Tu peux recommencer. Je ne t'arrêterai pas si tel est ton choix, je te l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit, parce que là, je suis dans le loft du capitaine et qu'on a les modules d'évacuation juste ici. Et j'ai le choix. Lancer la séquence d'autodestruction et utiliser la clé du module d'évacuation d'Alex pour quitter Talos One. Du coup, j'ai encore deux choix. C'est soit j'explose avec. Bon, on va rester sur notre décision parce que Alex, je t'aime bien. Mais là, on a un petit souci là. On a un petit souci là. Je suis désolé, mon gars. Attention, explosion du réacteur imminente.
Viens, Alex. J'aurais voulu avoir les mots. Viens, Alex, on part. T'arracher. Je sais pas si tu as vu, mais il y a de la matière alien en train de déchirer la coque. Tu dois dégager de là. Bon, tu veux savoir le pire? Toutes les fenêtres de la station. Il envahit toute la station. C'est partout. Viens, Alex, on part. Viens avec moi, Alex. On part. On part, on part, on part. Oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je suis en train de regretter déjà, voilà. Je regrettais déjà avant d'avoir choisi en réalité. Hein. Je vais pas vous mentir les amis, mais... Ah, j'espère que vous allez respecter mon choix quand même. Oh là là. Microgravité détectée. Puis, qu'est-ce que je fous là? Module d'évacuation d'Alex. Ah oui. Tout en haut là. Allez, go, go, go. Mais j'espère qu'il vient avec moi Alex quand même, hein, malgré qu'il me déteste. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Ah la gigine. Allez, salut! Hop là! Non mais moi... Aïe! Moi je pense que c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Il faut libérer... Il faut détruire les mots par les mots. Voilà. Alex! Putain, faudrait qu'Alex vienne quand même. Il y a de la place pour deux, hein. Oh là là, ça me paraît tellement... Il y avait tellement d'autres choses à faire en vrai en 6 minutes. J'ai trop le seum en 6 minutes, il y avait tellement de trucs à faire, j'ai même pas pu tuer le faux Questio. Trouver Dr. Julian Howard, mais j'ai trouvé lui. C'est quoi cette histoire? Oh purée. C'est horrible. Hein. Mais pourquoi Alex il vient pas avec moi? Aïe 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 aïe. Allez. RIP. De toute façon, à mon avis, rien ne va se passer comme prévu. Alors, madame, messieurs, erreur. Veuillez confirmer et rejoindre votre siège. Oh non. Morgane ? Morgane, tu m'entends ? J'ai détecté le lancement d'un module. Je croyais que... Morgane ? Morgane, si tu m'entends, s'il te plaît, réponds-moi ! S'il te plaît ! Je fais toujours... ce rêve. Ouais, alors là vous allez me... Oh ! Mais c'est une vanne ! Non, vous allez me détester, mais là on s'est foutu de ma gueule, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Mais attendez, mais pourquoi ? Mais non, mais... Eh non, je suis pas d'accord. Déjà je suis pas d'accord avec tout ce que vous allez me dire, parce que je vous vois déjà venir en commentaire en disant que j'ai tout fait comme il fallait pas, et je suis bien d'accord avec vous, sauf que... Non mais là c'est pas possible. Pourquoi on n'a pas fait un plan pour que les autres survivants me rejoignent? Il y avait de la place. J'ai pas compris là. Que ce soit la madame qu'on a sauvée là, qui était... Bah là, qu'on a laissé mourir en fait. Pourquoi Alex nous a pas suivi? Alex encore, je peux comprendre, c'est son bébé son truc. Voilà, il veut mourir avec, parce que j'ai décidé de détruire. Non, c'est pas possible. J'ai trop le seum. Je suis absolument dégoûté de vous proposer ça. C'est incroyable. Oh là là, mais non, mais c'est dommage. Mais non, mais je voulais pas finir comme ça. Moi, je voulais détruire, mais que ça se finisse bien. Enfin, je veux dire qu'on puisse repartir, en tout cas avec ceux qu'on a sauvés, quoi. Bon, alors, regardez-moi ça. Incroyable. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une scène... Il y a peut-être une scène post-crédit, je ne sais pas. Permettez-moi d'en douter. Vu l'arrivée rapide des crédits, bizarre. Mais bon, alors, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de mes choix, etc. Hein. Mais n'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé de comment ça a été amené, le scénario. Évidemment, il y a plusieurs choix, à mon avis, plusieurs fins alternatives. Et pour pouvoir toutes les faire réellement, il faut recommencer à zéro à chaque fois. Parce que je pense qu'il y a différents arbres... Voilà, en fonction de qui tu vas tuer, de qui tu vas garder en vie, ce que tu vas faire en premier, etc. Donc c'est juste impossible. Je pense que le plus intéressant, c'est de regarder sur YouTube les différentes fins alternatives. Et je pense que j'ai la pire, à mon avis. Je pense qu'on peut pas faire pire que celle-là. Voilà. Bah voilà, j'ai suivi les conseils de January et de la madame. Pour au final que dans tous les cas, tout le monde meure et tout le monde soit triste, du coup. Ah bah c'est superbe. Eh bah c'est top. Eh bah si j'avais su, j'aurais suivi mon frère. Parce que... En plus, ça répond pas à toutes nos questions. Alors si, on a compris que si on nous a pas mis tôt, on était partant pour tout ça. Toutes ces histoires après de lavage de cerveau, c'était pour les expériences.
Mais maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas vrai certaines choses que j'ai pu dire dans le passé? Est-ce que c'était vraiment moi ou est-ce que c'était de la manipulation? Et tout ça, on n'aura jamais les réponses et c'est horrible. C'est horrible, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je suis navré. Je suis vraiment navré, mais j'espère que vous avez apprécié tous ces moments horrifiques de ce let's play. C'était plutôt intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de continuer les let's play parce que c'est un contenu que j'aime bien faire quand j'ai le temps le week-end. Quand je rentre de ma semaine de boulot, hein, pour vous parler personnellement. Et je serais bien tenté de vous faire un let's play sur Far Cry Primal. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment une autre ambiance. On a fait Far Cry 3, 4, ainsi que le 6. Et ouais, Far Cry Primal serait absolument excellent. Voilà, je m'attendais à une scène post-crédit, mais manifestement ce n'est pas le cas. La bonne musique, en tout cas en fond, ça fait plaisir. Mais on va quand même attendre au cas où. Est-ce qu'on va être déçu jusqu'au bout? Je sais pas. Mais voilà, une petite aventure sur Far Cry Primal, ça peut être pas mal. J'avais fait... le seul en fait que j'ai commencé et que j'ai abandonné, c'était Far Cry 5. Parce que vraiment, c'était juste pas ma cam. Mais Far Cry Primal pourrait être très 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 intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud ou pas. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Et voilà, en tout cas, mais le jeu super sympa. Super bien fait. En termes d'histoire, de narration, d'émotion, c'est plutôt cool. Et ouais, pour un jeu de 2017, surtout développé par des indépendants, hein, si je dis pas de bêtises, hein, le studio. Hein, si je ne m'abuse. Enfin, je dis ça, mais bon. Regarde tous les gens derrière le projet. Ils sont quand même très nombreux, mais en tout cas c'est un jeu qui était vraiment très intéressant et je suis très content de l'avoir quand même fait. Je peux vous assurer que là, le prochain truc que je vais faire quand je vais arrêter l'enregistrement là, ça va être de regarder toutes les fins alternatives. Et je pense que je vais avoir les larmes à l'œil. Puisque je vais être en mode, ah oui en effet, oh c'est beau, nanani, nanana. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Messieurs, dames, on va voir s'il y a quelque chose à la fin de ce générique. Je pense qu'on sera déçus. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes déçu, bah n'hésitez pas à disliker, hein, après tout. Hein. Et puis voilà, j'ai hâte de vous lire vraiment en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, du coup. C'était Mkolo, je fais plein de bisous. Et puis il y a peut-être d'autres contenus sur Prey à l'avenir, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait un contenu additionnel qu'on peut acheter. A priori, qui se déroulerait sur la Lune, justement. On n'a même pas pu faire l'expérience d'aller sur la Lune, mais je pense que ça n'aurait pas marché. Mais avec le contenu additionnel, on pourrait aller sur la Lune. À voir si on retourne sur le jeu ou pas par la suite. Ça dépendra de pas mal de choses. Voilà, les pleins de bisous, c'était Mkolo. A très vite. Ciao tout le monde. Les amis, ce n'est pas fini, je savais. Je savais que ce n'était pas fini, les amis. Laissez-moi 2 minutes avant de réaliser ce qui se passe. Vous avez vu un endroit secret. Donc,
Vous avez bien fait d'être resté jusqu'à la fin, parce que vous êtes tous déçus de mon choix, mais attendez. C'est terminé. Comment ça s'est passé ? L'activation des neurones miroirs semble prometteuse. Le quotient d'empathie est plutôt moyen. Cette chose doit penser que ce n'était qu'un rêve, que ça n'avait pas d'importance. Vous supposez que nous avons le même raisonnement ? Sa vie en dépend. La nôtre aussi. Au final, tout dépend des choix que cette chose a fait. Cette chose m'a tué. Toutefois, il me serait difficile de dire pourquoi. Elle a installé plusieurs neuromodes Typhoon. Cela pourrait pointer vers une volonté instinctive de retourner auprès de ses semblables. Ou une tentative de faire cohabiter ces deux natures. Michaela ? Sans mes médicaments, je serais morte. Ce n'était pas une décision facile. Je pense que ça en dit beaucoup sur son cœur. Vous pensez que c'est le mot ? Cœur. Elle a aussi trouvé les dossiers de mon père. Et ensuite, elle m'a laissé les écouter, malgré les preuves accablantes. Je m'y attendais pas. Elle a accepté de se mettre dans une position vulnérable. Et puis, il y avait cet homme du département psychotronique. Ingram. C'était cruel. Il n'y a pas d'autre mot. Mais... La laisseriez-vous vivre ? Oui. Sarah, merci. À votre tour. Incroyable. Non, mais la c'est situation fou. À la zone de fret était désespérée. Sans elle, nous serions tous morts. Ah, de plus, elle a éliminé de nombreux typhoons à travers la station. C'est plutôt bon signe, vous ne trouvez pas? De plus, elle a empêché Dal de nous prendre en otage. Si c'était un de mes officiers, je lui aurais donné une médaille. Daniel, qu'en dites-vous? Cette chose m'a trouvé. Elle n'en avait pas besoin, mais elle l'a fait. Je lui ai demandé d'arrêter le volontaire 37, mais elle l'a épargné. Elle n'agit pas pour punir ou châtier. Elle aurait pu blesser beaucoup d'humains possédés par les Typhoons. Au lieu de ça, elle a redoublé d'efforts justement pour ne pas en arriver là. Je pense que le risque en vaut la peine. Au final, elle a opté pour la destruction de Talos One. Pourquoi ? Pour protéger la Terre ? Il nous est impossible de définir ce qui l'a motivée dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision. Tu nous entends, n'est-ce pas? Là. Il faut que tu vois quelque chose. Oh my god, les gars, on n'est pas des humains. Bon, donc tout était une simulation, vous l'aurez compris. J'avais raison, tout est une illusion. Par contre, c'est pas mon frère, du coup. Hein. Tout est faux, ce c'est pas mon frère. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgan. Oh. Qui était ton frère? Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oh merde. Oh non. Nous avons passé des années à essayer d'assimiler tes facultés. Mais nous n'avons jamais voulu aliéner ta vraie nature. Jusqu'à maintenant. Tu es le lien entre nos deux espèces. Il faut que je sache si tu nous vois. Si tu nous vois réellement. Si c'est le cas, prends ma main. C'est incroyable. Bah oui, je vais prendre la main d'Alex. Comment je fais ? Ah. On va secouer tout ça. Comme au bon vieux temps. Ah ! Ah oui, bah merde ! Ah bah d'accord, oui, bon bah ok, bon bah tout ça pour ça. Non mais attendez. Waouh ! Mais il se passe des... Mais attends, mais c'est fou, mais c'est encore mieux que ce que je croyais au final. Bon, j'avais la difficulté la plus basse. Traumatisme, oxygène, détérioration des armes, c'était désactivé. Donc j'étais vraiment en mode simple en plus. Dites-vous qu'on a galéré alors qu'on était en mode le plus simple. On a passé 19 heures de jeu, mine de rien, les amis. On a secouru 11 humains. On a tué 11 humains. On a installé 75 neuromodes, mine de rien. On se rend pas compte, hein. J'ai acquis 23 capacités humaines et un pouvoir typhon. D'accord. Et c'est officiellement fini. What the fuck? Non mais là c'est trop. C'est trop. Donc du coup, j'avais raison dès le départ. Par contre, c'est que tout était une simulation. Rien n'était réel. Tout était faux. Sauf que, encore mieux et encore pire, on n'était même pas humain. On était la chose qu'on affrontait directement dans cette simulation, quoi. C'est excellent.
C'est excellent. Et là, vous avez Prey Moon Crash. Voilà, donc en gros, un add-on qui nous permet d'être sur une base lunaire, a priori. Mais c'est un peu de la mode survie où, en gros, tu dois juste buter les méchants. Mais waouh, je m'y attendais pas, par contre. À ça, je m'y attendais pas. Très sympa. Bah voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin parce que le coup de la scène post-crédit, c'est toujours traître dans les jeux. On va pas se mentir. Mais elle était très importante parce qu'au final, j'ai... Peu importe la... Enfin, alors, je vais voir les fins alternatives sur YouTube et je pense que tout le monde va le faire pour ceux qui connaissent pas le jeu comme moi. On va tous regarder les fins alternatives, mais je pense qu'au final, la fin, c'est la même. Tout était une simulation, donc qu'on fasse les choses bien, qu'on les fasse mal, et encore qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout n'est qu'une simulation, donc ça change pas grand-chose. Donc au final, je suis un peu moins triste parce que personne n'est mort réellement. Alors si, du coup, parce que c'est la... c'est vraiment la merde sur la planète Terre, hein, à cause de mon espèce notamment. Mais c'était une simulation, donc tous les gens que j'ai abandonnés et tout n'existaient pas dans cette simulation. Et ça, c'est une belle conclusion. Et ça, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter, les amis. Plein de bisous, à très vite. Ciao tout le monde.